les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission. Elle est toujours un plaisir qui moi avec Zot. Donc aujourd'hui nous en plein air dans l'endroit qui nous l'invite à choisir, l'endroit relax, relax mode aujourd'hui, parce qu'il nous propose essentiellement de sport dans toute sa splendeur, parce qu'il nous l'invite, il appelle Asha Janunandan et Asha lui coach de fitness. Alors coach de fitness, quand nous dit lui comme ça, il paraît bien facile à faire, simple, mais c'est pas que physique, parce qu'il nous propose aussi de théorie. Et beaucoup de Zumba également, parce que de plus en plus, ben, madame fait Zumba. Alors voilà un petit avant-goût de ce qui peut être à nous dire. Asha, bonjour. Bonjour Clara, ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Elle m'a obligée de dire au moins en forme, parce que nous, même si on n'est pas trop en forme, parce que nous faisons sport. D'accord. Alors, sport avec vous, Asha, c'est une grande histoire d'amour qui commence depuis toujours avec le taekwondo. Ouais. Dis-nous ça. Donc, alors, j'avais 9 ans déjà quand j'ai commencé. Donc, voilà, c'était ma passion, le sport, c'était ça. Taekwondo à 9 ans, est-ce qu'il y a un choix ou bien préférer ça parce qu'on trouve ça en télévision? Parce qu'on a 9 ans, on n'est pas trop connu, en fait. Non, pas vraiment. Je ne sais pas si je trouve ça en télévision, mais par contre, mon camarade type fait ça. Alors, je suis intéressée. Nous sommes avec lui. Nous avons regardé comment il fait ce taekwondo. Et là, tout de suite, c'était une histoire d'amour, comment le dire. Donc, je me suis bien impressionnée par cela. Et je me disais, pourquoi pas, laisse-moi essayer. Donc là, je commence à causer avec mes parents. Je me disais, laisse-moi essayer parce qu'il me tient bien content, me tient impressionné. Qui est content? Un coup de pied dans l'air, etc. À step, pour un petit combat, tout ça là, qui me tient envie d'essayer. Alors, je me essayé, je me fais ça pendant, allons dire, 10 ans. Ah, quand même? Ouais, 10 ans, et je me fais me sentir noir là-dedans. Et après, avec l'école, HSI, tout ça, mes affaires là, donc je me suis arrêté. Bien sûr, mais là, nous vous causons l'autre aspect tout à l'heure. Ouais. Mais là, nous reste encore un peu dans taekwondo parce que, bon, nous causons taekwondo comme ça, mais nous pas forcément dans le fond des choses. Mais ce bon bienfait, qui fait à nous faire ça? Ce bon bienfait, c'est qui est intéressant pour moi personnellement, c'est dans taekwondo où évoluer. C'est pas un sport que tu restes, que tu ne commences ou restes là-bas même, non. Où évoluer, où on a pas de grade, donc nous n'avons pas de ceinture. Donc dans taekwondo, nous commençons par ceinture blanche. Suivi par cette jaune, suivi par cette bleue, rouge et après noir. C'est toujours ce sujet passé. Voilà, c'est toujours ce sujet passé, justement. Donc là, au fur et à mesure, au niveau augmenté, au ceinture augmenté, ça, on reach another level, comment dire en anglais, où chaque fois, il y a un challenge. Donc c'était ça qui t'intéresse, moi, parce qu'il n'y a pas des affaires que tu commences ou restes là-bas même. Donc où tout le temps, tu as besoin d'évoluer avec sa sport là. Donc c'est ça, encore. Mais où tu fais, Ali, donc. En tant qu'un sport, justement, ou bien parce que les types l'aéro, bien sûr, mais c'est un passe-temps. Est-ce que tu fais une compétition? Oui, tu fais une compétition. D'accord. Aussi. Et comment ça passe, une compétition? Dans une compétition, par contre, les plus combats. Donc, on a un adversaire devant vous, les plus combats. Donc, je compte de points, tout ça, on a fait là. Par exemple, si vous gagnez un coup de poing au visage, ça fait mal, 3 ça? Points. Ouais, ça fait mal, il y a du mal, tout. Beaucoup de bleus? Ouais, beaucoup de bleus. Donc... Mais en tant que femme, parce que souvent, bien sûr, émission, moi, pourquoi c'est beaucoup de femmes, bien sûr, parce que c'est une émission essentiellement consacrée à la femme. Mais il y a souvent un sport comme ça qui. Il y a des gens qui pensent qu'il est réservé à l'homme, comme un sport de lutte, de combat surtout. Mais où, en tant qu'une femme, il y a quelques années de ça, mais ça ne vous dérangeait pas? Non, d'avoir pas des coups sur le corps? Non, non. Au contraire, et aussi j'avais mes parents qui m'ont beaucoup soutenue. Mon bon parent, il l'a. Jamais, comme une ville la case, je gagne un coup de bleu, je gagne un coup de poil au figure, ou bien je gagne un coup de pied. Mon bon parent pour dire moi, non, mais tu as besoin d'arrêter, tu es un petit fille, tu as besoin de pas faire ça. Non. Au contraire, surtout dans les mondes qui nous peuvent vivre aujourd'hui, surtout si vous êtes un petit fille, si vous êtes un petit fille dans la case, ou une femme, ou besoin. Pas de type dans sa bonne affaire là. Moi, je pensais personnellement qu'il est bizarre d'apprendre sa bonne affaire là. Le self-defense. Tout simplement. Parce que demain, nous, quand on retrouve dans n'importe quelle situation, et que je pensais, c'est un sport qui in toughen up, comment dire, il fait moins être ce qui m'a été aujourd'hui. Donc, il renforce aussi. Et voilà, il fait au vin plus fort. Mm-hmm. Donc, je pensais, c'est une affaire qui toute bonne femme bizarre connaît.
Donc la self-défense, c'est un affaire qui tout du monde bien inculquer ça dans les enfants et même dans eux. À Stel, ils pénalisent pour faire sport, pénalisent pour faire self-défense, pénalisent pour tout ce genre d'affaires-là. Donc c'est moi personnellement, ce qui me pensait, c'est quelque chose, c'est un bénéfice pour une femme, c'est un plus pour une femme de faire quelque chose comme ça. D'accord. Et là, pendant 10 ans, de faire ça? Pendant 10 ans. Et c'était régulier? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il bisait bien sûr une vie saine? Mais bon, au quotidien, comment tu étais? Est-il différent des quotidiens d'une autre personne? Je ne vais pas dire, je ne vais pas pouvoir à ça à l'extrême là, parce que à l'époque là, moi, tu as encore des enfants, bien dire ça comme ça. Mais par rapport à l'alimentation? Alimentation, je mangeais normalement à l'époque. Maintenant, c'est différent, mais à l'époque, quand j'étais encore enfant, donc tu peux manger normal, je ne vais pas pouvoir dire où à l'époque là, mais tu peux faire régime, etc. Non, non c'était faux. Vous mangez ce que vous voulez. Voilà. Même du chocolat, même des glaces. Oui. Je mangeais tout ce que je voulais. Mais après, normalement, ça ne peut que ça. L'air, nous métabolisme, etc. Ça nous pourquoi ça t'a l'air, pas maintenant. Mais étant un enfant, quand tu commençais, ça veut dire que tu terminais, bon, tu es ici, capable de m'arrêter à l'âge de 18 ans. Et là, définitivement, quand on grandit, la routine n'est plus pareille. C'est clair. Là, quand on arrive dans l'adolescence, là, nous pour prendre un petit peu plus soin, nous figure, nous bonnes affaires. Donc là, là, me manger, me façon manger, insensé. Mais pas comme tu fais commencer, non. Non, pas comme tu fais commencer. Alors là, c'était à chaque le Taekwondo, une belle histoire d'amour. C'est là que vraiment tout a commencé pour lui. Ben, la ville évoluait, les jours ça évolue aussi. Donc les musées font un choix dans la vie. Nous pouvons ça juste après une petite chanson pour vous. Valangu manike venne patava sunangu game kata karma kella hita velanu beruwata bill netin neta gatama alla mage hitat naha matama mella une petite chanson, on me revient alors à ça, la fin des études secondaires, la BZF a un choix qui peut faire, que de pour aller. Justement. Donc là, on fait un choix, pas vraiment un choix, hein. Donc on lance moins dans esthétique parce que, bon, comment tu es une femme, tu as envie de découvrir un petit peu, bien à l'aide, ouais. Voilà, bien à l'aide. Donc on découvre un petit peu, on fait esthétique, coiffure, etc. Donc comme on rentre là-dedans, on fait mon cours pendant un an. Ok.
Et là, me trouver tout de suite qui, ok, non, pas pour moi ça. Alright, qui fait? Pas pour moi ça, parce qu'il me fait manque ça touche adrénaline là. Du sport. Qui... Mais entre toi, tu continues à faire au sport à part ta condo? Non, pas au compte, non. Du tout. Je pas me arrêter complètement parce qu'il pas tenir les temps. Donc, je me suis bien consacré moi dans mon cours. Full time. Je me suis fait pendant un an. J'étais dedans, je me suis bien là-dedans, mais il y en a qui te fait manquer. Donc, quand elle nous a fait, elle fait pour nous, nous connaît qui fait pour nous. Donc, je me suis manqué ça, je me suis manqué mon sport. Je me dis, oula, pendant un an, pas de train du tout, pas de faire l'exercice du tout. Donc, même ça, tu fais manquer. Pas de petite marche? Non, du tout. Donc, là, ça a commencé, mais je commence à prendre poids, définitivement, parce que je me fait. Sport, allons dire 4 à 5 fois par semaine. Ah, quand même. Et là, tout de suite, après, pendant un an, parfait, non, on y est. Et le corps change voilà. ou pas content. Le corps change définitivement, parce que tu n'es pas habitué à trouver ça dans la glace. Là, tu devais trouver un affaire qui n'est pas habitué. Pas toi. Voilà, qui n'est pas moi. Là, je commençais à non, un peu frustré quelque part. Je me suis un petit peu frustré parce qu'il m'a parti bien dans ma peau. Et que là, par chance, je vais dire ça comme ça, par chance, je passe le cours online de Zumba. D'accord. Et là, je me dis oui, pourquoi pas. Donc, je fais lien en parallèle avec mon cours esthétique. Donc, cours pour qui ou train ou même, ou bien cours pour que vous dispensez mon cours, les autres non, oui. pour dispenser mon cours. D'accord. Bien sûr, ouais. Pour dispenser mon cours. Donc, cours Zumba là, c'est bien, bien simple. Parce que c'était un cours en ligne qui montrait où, comment pour coacher les élèves, comment pour montrer danser, comment pour faire une classe de Zumba. Donc, je fais ça et ce n'était pas un cours à long terme, trop beaucoup de temps. Ce n'est pas un big deal, ça non, va. Pas un big deal parce qu'il est bien simple, etc. Donc, je fais ça pendant 3 mois. OK. Tous les jours? Tous les jours, oui. Presque tous les jours. Et après, tout de suite après, je me dis, eh bien, qui fait mon balance moi? Là, quand je peux habiter, pas qu'il n'y a aucune place qui peut faire sport, surtout pour une femme. Donc là, je commence à faire ma classe. Je commence avec, allons dire, 10 élèves. Je commence comme ça, oui. 10 élèves. Et ça m'a dit, là, comment on a le déniche ça? Quand on a le rôde ça? Publicité. Oui. Parce que tu es dans l'endroit. D'accord. Donc, tina... Bouche à oreille. Bouche à oreille, justement. Bouche à oreille. Tu es dans l'endroit que tu n'as aucun sport. Donc, une femme, tu n'as vraiment une activité pour qu'ils soient capables d'étendre eux-mêmes. Tu n'as aucune activité pour faire te sentir bien dans la peau. Donc, comme on commençait, c'était tout de suite quelque chose, allons dire, de spécial. C'était nouveau pour tout le monde. C'était nouveau pour moi. Bien sûr, parce que le Zumba, quand même, il commence à venir la mode, ouais, comment nous dire ouais, ici. Voilà. Il commence à venir la mode. Et que nous essayions. Là, quand on commençait, on commence à faire un petit peu différent. Qui fait différent? Parce qu'on commence à ajouter un petit fitness dedans. D'accord. Qui veut dire fitness. Donc, fitness, allons dire, abdos. Travaille un petit peu fessier, travaille full body. Donc seulement avec la danse, allons dire danser, les plis, déstresser, défouler. Mais il y a des gens qui peuvent venir avec moi, des femmes qui peuvent venir avec moi pour dire moi, ben, mon envie maigrit. Qui me fait pour me maigrir. Donc là, je commence à ajouter ça dans affaire là. Fitness. Fitness dans mon classe de Zumba. Et là, ça ne prend le temps pleur. Comme on me dit, toi, dans la vie, nous devons toujours évoluer. Oui. Donc, évolution là, ne commence pas là. Donc ça, c'était les premières affaires qui nous fait, c'était Zumba et suivi par fitness. All right. Voilà. Donc là, et les femmes, voilà quelque chose de très important. Nous visons surtout nous bien dans la peau, donc Zumba de plus en plus tendance. Mais quand la femme, elle vient dans ses cours de Zumba, qui les rôdait en premier? Se lâcher complètement? Se lâcher. Voilà. Tout oublier. Voilà, se lâcher, se sentir femme. Oui. Moi, je me disais tout le temps, mon bandimoun qui vient traîner avec moi, qui vient faire Zumba avec moi, mais tout le temps dit des affaires. Nous, en tant que femmes, je ne connais pas tout d'accord avec moi, en tant que femme, nous avons pas mal de responsabilités. Donc, une femme qui commence, il y a ce travail. Si il y a une casse qui est besoin de gérer, il y a un mari qui est besoin de gérer, il y a un enfant qui est besoin de gérer, il y a la famille en entier qui est besoin de gérer. Et là, sa classe de Zumba là permet d'eux vraiment, c'est une heure de temps qu'ils se sentent d'eux femmes. Et c'est une heure de temps pour eux là. Pour eux. Ok. Pour eux les causes, eux la santé, eux bien-être et aussi pour sentir d'eux femmes. Qui fait quand nous dansons, c'est celle façon qui nous capable exprimer de féminité. Donc là, nous pouvons faire un petit step sexy, surtout le Zumba, c'est un peu salsa, etc. C'est très sensuel. Oui. Voilà, c'est très sensuel. C'est une façon pour nous sentir nous vraiment femmes. D'accord.
tu vois. Donc ça a beaucoup aidé les femmes. Par exemple, une avant step. Donc vraiment sans complexe. Sans complexe, oui. Parce qu'on est entre nous, on est entre femmes, donc il n'y a personne qui peut juger nous. Il n'y a aucun dimoun dans des hauts qui est là pour juger, pour dire, oh, ben, on peut mal danser, tu ne peux pas faire ça bien. Par exemple, des anganka. Écoute, une madame venait dire comme ça, elle est hontée pour danser dans un mariage, allons dire. Zamé, elle n'est pas dansée, si pas, moi, pas connaître modèle, elle est hontée, etc. Parce qu'elle est hontée. Elle est dans la tête, elle pensait, mais elle n'est pas connue danser. Dimoun pour juger, elle. Mais par contre, quand elle a commencé, elle est venue nous apprendre ensemble. Elle a commencé, nous apprendre ensemble, nous apprendre step by step. Nous n'avons pas un grand miroir, mais quand elle a pegué dans le miroir là, elle a trouvé, ben non. Elle aime cette personne qu'elle voilà. voit en face d'elle. Elle est contente, ça dit même qu'il peut trouver dans le miroir là. Parce qu'ils jamais les parties pensées dans la tête, c'était autre chose. Donc là, quand ils commencent à trouver, ils peuvent faire des affaires comme ça, ils trouvent, ils peuvent match ce own level of esteem, mais là, ils sont happy, ils sont bien. Ils sont bien dans la tête, ils sont bien dans la peau. Et ça même dit même, après quelques temps, ils disent moi, ben maintenant, monte un chorégraphe, tiens un mariage dans, tiens un mariage dans la famille. Donc, maintenant, elle fait un petit chorégraphe pour toute la famille danser. Mais c'est super. Quelque part, Zumba, c'est pas vraiment, c'est pas seulement physique, c'est aussi mental. C'est mental, donc c'est important parce que la personne elle retrouve voilà. confiance qu'il y partienne ou bien qu'il y ait une perdie. Donc, comme on dit, nous pour cause aussi de morphologie tout à l'heure, un petit peu plus tard, mais puisqu'il nous cause Zumba, donc, me connaît. Il y en a beaucoup qui disent que Zumba pas de faire pour moi parce qu'ils sont trop gros ou bien que les corps pas adaptés. Est-ce que tout le monde est capable de faire Zumba? Tout le monde est capable de faire Zumba. D'accord. Comment on fait que dire toi, Clara, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une affaire qui nous apprend, ni pas une affaire. Donc peu qui... importe le nombre de kilos qu'il y a, alors, ben, madame, il faut se décomplexer, se lâcher parce que le Zumba ne fait pour tout le monde. Voilà. Voilà. Le Zumba fait pour tout le monde. Et que, comment te dire, il a besoin de décomplexer. Qui fait? Parce que tout le monde, nous avons la même morphologie. Comment te dire, nous pouvons ça. Nous avons la même morphologie, nous avons la même façon de voir les choses. Ils font, nous avons besoin d'accepter nous comment nous étions. Nous avons besoin d'accepter nous comment nous étions. Donc, il y a beaucoup de madame qui viennent dire moi, aïe, ouais, mais je la hanche trop gros. Ou bien, moi, j'ai un peu body fat, tout ça, mes affaires-là. C'est quelque chose qui nous besoin accepter, nous, en tant que femmes, parce que tu dis, moi, pas pareil. C'est qui nous trouvait dans la publicité, c'est qui nous trouvait des hauts. Ça, c'est le monde extérieur que nous, en tant que femmes, nous pas capables, expect, nous pas capables d'atteindre, qui nous pouvait nous commander dans une publicité. C'est clair, comme les femmes dans les magazines. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça... nous, ce qui nous était avec nos petits boules, nos petits rondeurs, et on est bien dans notre peau, et on s'aime comme on est. Voilà. À tout de suite. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un bannier chef. On va commencer pour synthèse la main. Et on va pousser les cuticules d'abord. Ça, c'est pour enlever les peaux mortes. Vous avez mal? Et maintenant, c'est pour couper les cuticules. Maintenant, on va limer les ongles. Je vais faire la forme carrée. Relaxe. Et maintenant, beaucoup buffy. Mmh.
buffet, c'est poupe, disons. Et mon plus gros tiaben, la piscine. Maintenant, du coup, nettoyer avec un dégraisseur. Il nous faut pas ce primer pour hydrater. On commence avec les biscuits. Ok, maintenant on met dans l'appareil pour 2 minutes. Ok, donnez-moi la main. Maintenant, nous appliquons une couche vernissée. Voilà, vous pouvez mettre dans la lampe UV. Ok, vous pouvez retirer. Maintenant, nous pouvons passer à une deuxième couche. Ça, c'est pour couvrir ben imperfection et que vous donnez sur vraie couleur. Ok, vous remettez dans la lampe UV. Ok, pareil ciel. Et maintenant, nous vous passons le top coat.
compliqué. Ou capable de mettre dans la lampe. Ok, au capable de retirer. En dernier, nous passons le critical oil. Ok. C'est fait. Merci Zepine de suivre nous. Comment se trouver les parcs compliqués? À la prochaine! Bye! Alors, Hacha, une cause nous de beauté, de Zumba, nous proposons 6 séances de manicure. Alors là, nous retrouvons-nous, Hacha. Zumba, mais au pas arrête là, parce qu'il y a content sur passou. Voilà, il faut ceci à passer. La oui. Ville comme ça, nous tout le temps besoin d'apprendre. Donc là, comment Zumba est fini, comment mon gars en demande. Et combien de temps on fait 2 ans. D'accord. 2 ans. On fait Zumba pendant 2 ans. Et là, on trouvait qu'il y a beaucoup plus qu'il sait pour apprendre, il y a beaucoup plus qu'il Zumba. Donc là, on commence le lancement un petit peu plus, on a fait un cours plus approfondi. Et là, quand on dit un cours, moi aussi, il y a beaucoup de monde pour intéresser, connaît bien un fitness instructor qui cool il fait. Donc, quand nous causons cours, ce n'est pas vraiment une cours qui nous peut apprendre pratique, nous peut apprendre comment coach un demon, nous peut apprendre comment faire l'exercice. Non, loin de là. Rien à voir. Rien à voir. Ça va nous faire là, apprendre pas ou même dans la case ou faire ou ben une recherche. OK. Qui nous l'apprend? Qui nous l'apprend? Ben voilà. Qui nous l'apprend? Ça, c'est la grande question. Qui nous l'apprend? C'est comment les coins demon fonctionnent. Parce qu'en tant qu'un coach, nous connaissons que tout demon n'est pas pareil. Tout morphologie du monde pas pareil, tout du monde de l'écho pas pareil, tout du monde de métabolisme pas pareil. Donc là, c'est autre chose. Qui fait les autres choses? Disons, moi, technique qui m'a servi pour me maigrir, si mon envie maigrit par exemple, allons dire ça comme ça. Si mon envie maigrit, technique qui m'a servi pour maigrir, ben, l'exercice qui m'a fait pour maigrir, si toi demain te viens dire moi, ben, toi ton envie maigrit, capable de ne pas adapter pour toi. C'est clair. Donc si moi, je travaille en tant qu'un coach pour connaître. Mais qui adapté pour toi? Qui training adapté pour toi? Qui manger adapté pour toi? Qui diète adapté pour toi? Parce que si tu dis que ça ne fonctionne pas pareil. Donc là, on apprend ça. Ah, comme. Et vous ne pouvez pas attendre ça? Non, du tout. Du tout. Parce que moi, comme je peux suivre beaucoup, donc ouais, ok. Je peux apprendre une nouvelle façon pour traîner, je peux apprendre tout ce que j'ai fait là. Ou tu peux apprendre physique. Moi, je peux apprendre physique, je peux apprendre physique. Donc tout ça là, est fini, mais en secondaire. Oui. Donc, il y a aussi sa partie là, bien sûr, voilà. Mais la théorie, dans un premier temps, les plus importants, important qui la pratique. Qui la pratique, mm-hmm. Voilà. Donc, d'accord. Théorie, c'était the main thing, comment le dire. Donc, là, nous commençons avec ça. Donc, c'était un cours d'un an qui permet moi d'apprendre beaucoup de choses, surtout sur le corps humain. Donc là, tu vas comprendre comment les coins d'immun fonctionnaient. Qui savait dire métabolisme? Et un d'immun qui a dit comme ça, oui, je peux traîner, je suis régulier dans mon training. Oui, je peux manger sain, je ne peux pas manger de l'huile, je ne peux pas manger souvent ça fait là, mais je ne peux pas maigrir. Oui. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Mais dans ce cas-là, que faut-il faire? Donc là, nous besoin tout de suite à guider le métabolisme. Tu vois? Donc, il y a des affaires qui sont là de nos jours, nous avons intermittent fasting. Nous avons une keto diet. Tout ça, ce qu'on a fait là, n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Chaque dimune est différent. Donc là, nous avons besoin de routine. Nous avons vraiment de la routine. Était. Si tu dis à moi, si tu traînes 3 fois par semaine, tu as marché ou bien n'importe quoi, ce qu'on a fait là, quand tu l'écoutes, il finit adapté avec sa façon de training. Là. Donc, il n'est pas pour fonctionner. Tu l'écoutes à un plateau. On appelle ça un plateau. Donc, il faut tout le temps changer. Quand tu trouves que l'écho arrive loin de plate, donc là, il peut arrêter de fonctionner. Parfois, il n'y a aucune progression. D'accord. Tu pourrais style. Là, tu as besoin de trouver une autre façon. Ça veut dire soit tu as besoin de sens de diète, tu as besoin de donner l'écho un nouveau choc.
Donc c'est ça qui nous apprend dans le monde du fitness. Quand on arrive à un plateau, tous les corps pas fait adapter, pas fait fonctionner, pas fait trouver bonne progression. Donc là, il faut stopper et se dire, ouais, mais où est le problème? Là, il faut changer. Il faut changer la façon de manger. Il faut changer la façon de s'entraîner. Tu vois, donc c'est compliqué, c'est pas aussi facile que ça. C'est compliqué, ouais. Mais c'est aussi intéressant. Intéressant, parce voilà. Que souvent, là, peut-être que nous tous, quand on a dit comme ça, voilà, on fait une cause intermittent fasting qui est très tendance en ce voilà. Moment. Mais on essayait, on pas maigrir comment toi, tu peux maigrir. Voilà. Donc, pas tout régime qui est adapté pour tout le monde. Donc, voilà. Déjà, fait un bilan de son corps. Voilà. Peut-être un bilan médical aussi pour savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, à partir de là, mais est-ce qu'il, ou en tant que coach de fitness, est-ce qu'il est capable d'établir ce genre de bilan? Oui, je suis capable d'établir ce genre de bilan. Donc, dis-nous ton rôle en tant que fitness, faudrait, à part coach. Voilà. Mais il faut que je connaisse là routine. Ce routine. Voilà. Qu'il y mange, qu'il n'y pas mangé. Qu'il y mange, qu'il n'y pas mangé, ça c'est bien important. Et dans mon dimoun, je pourrais prendre l'exemple, et dans mon dimoun, je suis capable de dire, oui, mais je traîne tous les jours, je fais sport tous les jours. Mais pas aucun changement. Mais pas aucun changement. Mais là, c'est le gros problème. Mais qui vous mangez dans la cuisine, qui peut faire? Ça, c'est plus important. Vous comprenez? Parce que du moment qu'on commence à faire sport, l'exercice plus important, c'est que beaucoup de monde ne connaît pas, l'exercice c'est seulement 30%. Le diet, ce qui nous peut manger, ce qui nous peut consommer, ce qui nous peut mettre dans nos corps, ça c'est 70%. D'accord. Donc ça c'est très important, c'est ça qui nous besoin mettre dans la tête avant. Ce n'est pas seulement le sport. Donc plus important, c'est la nourriture qui nous peut mettre dans nos corps. Là, qui vient, que nous pouvons connaître, mais comment nous faire un progrès. Qui peut passer, qui peut pas passer. Donc ça, c'est les premières affaires qui m'ont demandé à Dimoun. Ou capable de traîner, ou capable de traîner tous les jours, 7 l'eau, 7, allons dire ça comme ça. Mais si le régime alimentaire n'est pas bon, pas paiement, c'est qui bizarre. Par exemple, si vous finissez faire une session d'entraînement, ou capable de faire une session en temps, mais après, vous pouvez manger mal. Ou bien manger fast food, ou bien manger des eaux, qui contient beaucoup d'huile, etc. Donc là, il n'est pas bon. Vous comprenez? Donc ça, nous avons besoin d'une routine, Dimoun là. Parce qu'il y a un dimoun pensé dans cette la tête, c'est si mon pétrin me fait brûler les calories, alors mon calorie. Oui, c'est souvent le temps, ça aussi. Voilà. Or, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est vrai, il y a un cheat day, comment on dit, je compte nous manger tout, mais même pendant le cheat day, il faut faire attention aussi, je pense. On peut manger vraiment ce qu'on veut. On peut manger vraiment ce qu'on veut pendant le cheat day. Donc, mon calorie, mon petit pourri, mon dalle pourri. Définitivement, le bisin fait nous plaisir. Oui. Le bisin fait nous plaisir. Mais le bisin, God, une routine saine. Comment nous dire? Moi, par exemple... Et surtout, un bon biryani à ne pas oublier. Voilà, un bon biryani à ne pas oublier. Donc, nous bisons fait nous plaisir, ne pas là pour prévenir non plus, mais nous gardons un healthy way of living. Bien sûr. Comment nous dire, voilà. Mais il y a aussi certaines personnes, parce qu'ils nous gagnent affaire à différents caractères, différentes personnes. Il y a des gens qui ont envie de faire des efforts, par exemple, ils font des efforts dans leur alimentation. Ils ont envie de faire sport, mais il y a des gens qui n'aiment pas transpirer. Donc, quel genre de sport qui est adapté pour ces personnes qui n'ont pas forcément envie de faire un sport en salle? Est-ce qu'ils n'ont pas fait un workout à la maison? Est-ce que ça aide? Ça aide si vous êtes motivé. Si un dimoun est motivé dans sa tête, il est bien dans sa propre discipline, il est bien connu qu'il a envie. Donc, tout cas de sport n'est pas adapté à tout dimoun. Oui. Quand on commence une course taekwondo, pas tout dimoun qui est content, mais ce n'est pas une excuse non plus. Si vous n'êtes pas content avec vous, dans le gym. Si vous n'êtes pas content en gym, nous avons un sport qui nous fait en salle. En salle, allons dire un group class. Donc tout ça là, il y a différents trainings. Ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Pour tout dire. Vous ajustez la volonté. Voilà, vous ajustez la volonté. Alors ça, c'était la partie quand nous, l'invité du jour, il apprend comment venir un coach de fitness. Alors, un petit tips aussi qu'il nous donne, mais ce qui. Parmi les affaires qu'il y a important à retenir, il y a différents types de sports qui sont adaptés pour tout le monde, différents types de régimes qui sont adaptés à chaque monde. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas le marché pour X, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour marché pour Y. Il faut juste croire en soi et trouver ce qui est adapté pour nous les corps. On se retrouve juste après. Ben là, puisqu'il y a une cause de cheat day, je pense que nous sommes capables de faire une série de plaisir. D'accord. Une petite mousse au chocolat allégée quand même. À tout de suite. Bonjour, ici c'est Nassif et chef de cuisine. Donc aujourd'hui, moi pour présenter un petit dessert, tout simplement un petit crème au chocolat. Là, nous prenons du cornflour et là, nous avons cacao. Et là, c'est sucre roux, nous avons du lait et un petit peu de crème fraîche. Bon, là, nous commençons par nous mettre du sucre dans un saladier, le tout. Voilà. Et suivi de
le cacao. Là, et le cornflour. Bien mélangé. Il y a des problèmes, un petit boule-boule, comme on dit. Mais voilà, nous essayons d'écraser le tout pour qu'il n'ait pas fait grume. Voilà. Nous rajoutons un petit peu de lait. Voilà. Voilà. Nous rajoutons quand même un petit peu de lait. Donc le lait, il est capable de mettre une tasse normale, régulière, qui est tout servi. Voilà. Nous pas mettre tout, hein. Nous, voilà, tigit. Parce qu'il nous peut amener sur le feu. Ouais. Et le cacao, si je peux demander combien tu es là, le cacao, nous tu mets 40 g de cacao, 60 g de sucre. Et le cornflour, c'est 15 grammes, pas beaucoup. Et là, bon, si j'étais dans une casserole, là, je suis capable de faire dans une casserole. Mais là, je vais faire dans un poêlon. Nous mettons le restant du lait. Nous ajoutons la crème fraîche. 4 ou 5 centilitres, ça va, c'est bon. Et nous vous laissons. Nous du lait chauffer un peu. Voilà. Et là, comment l'épée commence à bouillir, enfin pas trop bouillir, mais du moment où il commence à un petit chaleur, nous commence à rajouter le chocolat et tout le mélange. Mais bien rassuré qu'il peine un grumeau, sinon il est pour désagréable. Là, nous posons juste à feu doux. Nous posons juste à une dizaine de minutes. On continue à tourner jusqu'à ce qu'il nous remarque un petit. L'épaisseur commence à former. Et là, c'est bon. Voilà. Bon, après une dizaine de minutes, nous chocolat bien prend, bien épaissi. Tiens, il faut. Voilà, montre je vais te mettre bien rond. Faut juste remettre une cuillère dans chaque pour la présentation. Juste le mettre au frigo une 10 minutes comme ça. Après 10 minutes, et nous mousse au chocolat il paraît. Et nous pouvons juste ramener un petit peu la glace dessus. Voilà. Pas beaucoup, un petit quenelle comme on dit dans l'hôtellerie. Là, et un petit déco. Et voilà. Un petit mousse au chocolat avec un petit la glace Kulfi Malai.
voilà, nous avons terminé avec une mousse au chocolat et j'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment-là. Et à très bientôt. Alors là, on apprend comment venir un coach de fitness, là, au full-time job. Oui. Full-time. C'est tous les jours comme ça? C'est tous les jours. Alors raconte-moi une journée dans la vidéo Arsha. Allez, donc une journée, c'est la discipline. Hein. C'est très discipliné, donc mon aide pour me lever. Qui l'a au lever? Donc, me lever 5h30 tous les jours. D'accord. Qui fait assez, vous connaissez, vous pouvez voir qui fait vous aller 5h30. Vous avez une grasse matinée, Arsha? Si, samedi ou bien dimanche. Samedi, pas trop, mais plus dimanche. Ou bien comme une point de break. Mais après, c'est la routine, mais finir habitué, vous allez vous aller là. Qui fait mon poulet, ça l'est là, c'était... Pas pour vous, ça l'emmène, c'est vite, non? Non. Pas qu'elle est pas capable de faire ça. Pas capable de faire ça. Parce qu'il m'a besoin de guetter qu'il m'a pour manger pendant une journée. Donc, vous pouvez pas ça le oui. matin. Une couche, c'est pas si facile que ça. Hein. Allez, dites-moi tout. Il n'est pas allez, difficile aujourd'hui. Qu'il trouver. Donc, lever 5h30, il m'a besoin de préparer mon manger. Donc, on me dit, on prépare mon manger, il m'a besoin de préparer mon petit déjeuner, mon premier snack, mon déjeuner, mon deuxième snack. Et après le dîner, ça c'est après. On est capable de connaître qui c'est au menu aujourd'hui. Donc là, on prend au moins des repas, là. Le petit déjeuner, le premier snack. D'accord, ouais. Donc, premier snack, c'était, j'ai pris là, pour le moment, premier snack, on prend 4 œufs bouillis. Donc, c'est seulement le blanc. Blanc. Oui, pas de jaune, parce que jaune, il contenait beaucoup de fats. Donc. Noté. Donc, et beaucoup. Le petit déjeuner, c'était quoi? Le petit déjeuner, c'était oatmeal. Tout simplement, oatmeal dans de l'eau. Mm-hmm. Qui me prend avec chia seeds, donc des fameux fin chia pudding ou bien un petit pudding avec oatmeal. C'est simple. Pas de c'est... fruits, pas de produits. Fruits, ça vient après. Donc allez, je me tais, j'écoute. Ouais. Allez-y. Donc fruits, des pudding après, fruits, muffin smoothie. Donc me mettre tout là-dedans, tout ce qui m'a gagné, tout ce qui gagné, oui, légumes, carottes, épinards, tout ce qui nous gagne, nous mettre dans le blender, là, nous blender dans le mini-travail. Donc c'est qui bien important, moi je dis, vous ne pensez qu'on peut faire une diète, si j'ai besoin de beaucoup de temps pour préparer ça, pas affaire, du là. Tout. Pas du tout. Non. C'est bien plus facile, bien plus simple, parce que tout ce qui nous peut gagner, allez, disez-vous, il n'est pas difficile à faire. Ça c'est... prend 10 minutes et puis tu ça fais prend... la veille et puis tu voilà. le manges le lendemain. Voilà, oui. Donc bien plus facile. Salade, c'est pas difficile à faire, ça prend pas du temps. Donc, c'est très, très facile pour faire une diète. Tout à fait dans nous la tête, ça. Nous nous pensons, nous nous mettons dans nous la tête qu'il est compliqué. C'est là que ça qui nous pas fait. Mais c'est bien plus facile que tout ce qui nous mangeait d'habitude. C'est très facile, c'est très simple. Alors, nous avons commencé, voilà, ce qui m'a besoin de faire grand matin comme lever, c'est me préparer mon manger. Et le déjeuner? Et déjeuner, là, je vais prendre salade. Okay. Salade avec blanc de poulet. Mm-hmm. Ça, c'est routine de tous les jours. Donc vous préparez, vous ne mangez jamais dehors? Jamais au restaurant? Si. Si, oui, si. Vous faites plaisir. Oui. Mon papa est un peu trop dur. Pas extrémiste. Non, voilà. non. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre. Hein? Oui, il faut bien vivre. Sûr. Donc si, me permettez-moi de faire ça, mes affaires là, mais allons dire week-end. Oui. Week-end, me faire moins plaisir. Mais pendant la semaine, non. Hein? Pendant la semaine, je suis très stricte. Allons dire si il y a un anniversaire, il y a un mariage pour aller ou bien quoi que ce soit. Si bizarrement c'est moi pour manger, mais moi pour garder bien ma quantité. Ok. Il faut être discipliné. Quand on a envie de quelque chose, nous avons un goal, nous avons un affaire, nous avons un but, il faut être très discipliné. La discipline, c'est très important. Très, très important. Donc, les jours de semaine, je suis très disciplinée, mais après, week-end, là, on se laisse faire, on se laisse aller. Bien sûr. Ça, c'est un petit secret que je ne vous ai pas connu. Ah ben voilà. Mais ne vous en faites pas, on est, il n'y a que quelques milliers de téléspectateurs et sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Good. Votre je suis secret est bien gardé. Merci. Alors, ça, c'est vous, donc la journée qui commence à 5h30. Voilà. Et à quelle heure vous sortez pour le travail? Donc, 8h. Mm-hmm. Moi, commence la journée à 8h. Et là, mon amant personal coaching qui me fait as well. Donc, one-to-one. Et là, je dis, il y a différents types de training à ce stade. Donc, le personal coaching se fait à la salle de sport? Ça se fait à la salle de sport, bien même en plein air. Mm-hmm. Ça dépend de la personne qui dit, il a envie. Donc, voilà. Personnel qui fait, là, je dis, je ne suis pas content ni salle de sport, je ne suis pas content ni un group class, ni je ne suis pas content de traîner tout seul. Donc, d'accord. Là, c'est un autre affaire. Qui nous proposer. Comprendre donc un coach, donc, il a encore une fois une astuce pour plaire à tout le monde. Voilà. Un certain type personne de pas supposé une excuse là parce qu'il ben a voilà. tout donc tout... fais-toi plaisir là donc tu fais sport. Voilà, il n'y a pas sorti de là. Pas sorti de là. Mm-hmm. C'est important. C'est oui. très très important. Surtout dans les mondes qui nous peuvent vivre aujourd'hui. C'est très important.
Voilà. Donc là, ça commence par le personal coaching et après, voilà. Il y a quand même la salle de sport. Il y a quand même la salle de sport, côté la Mandimoun, qui se dit content, tranquille, je traîne dans ce rythme. Donc ça, c'est pour eux. Et moi, je suis là pour guider, pour expliquer quel exercice j'ai besoin de faire, si j'ai besoin d'un training shot, pour guider eux aussi. Well. Et voilà, ils passent comme ça. Après, l'après-midi, je suis en classe, en group class. Par exemple, il y a une classe Zumba, une classe fitness, circuit training, etc. Et là, je fais cette classe-là, et là, comment fini la maison, dîner et repos. Et repos. Et vous dormez tôt, sûrement 10 heures. Ça va, c'est 10 heures, 10h30, c'est raisonnable. Vous voilà, serez bien 5h30, c'est OK. Voilà, et c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. OK. Maintenant, dans la salle de sport, là, différents dîmes viennent avec différentes affaires en tête. Voilà. Et nan vini pour maigrir, nan vini pour juste pour relaxer. Voilà. Et nan vini pour maigrir, nan vini juste pour déstresser, et nan vini pour prendre poids aussi. Aussi. Voilà. Nous causons souvent de perte de poids quand nous causons de sport, mais aussi, et nan le contraire, des gens qui ont envie prend poids. Mais pour ces personnes, on l'explique nous, Jean. Alors, pour ces personnes, il paraît tout à fait, il dépend du métabolisme qui m'a causé bien plus avant. Donc, un dimoun qui est pour perdre du poids, il a besoin de baisser le taux de calories. Donc, il y a des affaires qu'on appelle BMO. Dimoun a besoin de ce BMO. Allons dire, on va donner l'exemple, fait que m'a dit un dimoun ce BMO, il a 1800 calories par jour. Ça, dimoun qui est pour perdre du poids, là, qu'il a besoin de faire la Clara. Il a besoin de baisser ce taux de calories. Donc, les bisins mangent en bas ce BMO. Mais un dimoun qui est là pour prendre poids, les bisins font le contraire. Les bisins mangent plus que ça. Donc là, moi, mon bisin le connaît, qui dimoun là ce BMO, qui se calcule bien sûr, et que là, nous donnons une diet qui est adaptée. Adaptée pour lui. Voilà. Voilà. Et prendre du poids, ne veut pas dire voilà, manger friture. Manger, non. Mange 10 dalles pour 10 rôtis. Là, non, tu prends de la mauvaise graisse. C'est pas ça, mais vraiment. Pas de la mauvaise graisse. Tout faire. De la bonne façon. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de prendre poids de nos jours? Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils sont complexés? Se sentent trop maigres? Pas dans la peau? Peut-être que pas dans la peau. Voilà. D'accord. Premier, c'est pas dans la peau. Deuxième, capable d'être underweight, qui n'est pas bon pour la santé as well. Bien sûr. Être surpoids, c'est pas bon, mais aussi être underweight, c'est pas bon. Donc là, il faut savoir comment balancer ça. Donc, une petite affaire qui me tient envie de préciser, le plateau aujourd'hui, nous dit perdre du poids. Donc, prendre poids est bien plus difficile que sa process perdre du poids là. Donc, un dimoun qui peut struggle pour prendre poids, il peut struggle des fois plus qu'un dimoun qui n'a pour perdre du poids. OK. Donc, tout espoir n'est pas perdu pour ceux et celles qui veulent en perdre. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça me rassure quelque part. Il faut bien déconner, mais c'est vrai. Donc, on rigole, ne pas périr d'immune, pas du tout. Mais on veut juste détendre l'atmosphère pour vous dire qu'il n'est pas dans quelle situation qui nous était, qui nous a envie de perdre du poids, qui nous a envie de prendre poids. Mais il y a une solution. Et une solution qui est très simple, en fait. Juste besoin de la bonne volonté. Voilà. Nous avons besoin d'être motivés dans la tête et que nous connaissons, nous, bien qui nous besoin, qui nous a envie. Nous pas capable d'avoir l'objectif là aujourd'hui après demain nous l'objectif peut changer non n'est pas mosse comme ça comment me dire c'est la discipline nous besoin de discipline et il paraît quand nous sommes à l'école nous tiennent les rentrées nous tiennent les sorties si le professeur de nous dévoit nous besoin faire nous dévoit donc c'était quoi c'était la discipline c'est la même chose dans la vie de tous les jours nous connaît nous besoin de travail quand nous sortons du travail nous connaît qui nous besoin faire donc nous besoin une bonne hygiène de vie qui nous besoin implémenter c'est une bonne nourriture et un petit peu de sport. 30 minutes, ça nous suffit. Ça va nous faire du bien. Ah ben voilà, 30 minutes, c'est pas la mer à boire. Voilà. On se retrouve juste après. Et bien voilà, pratiquement la fin de l'émission que nous ne causons essentiellement de sport aujourd'hui. Surtout, nous ne causons dans la positivité. Parce qu'il y a une solution pour tout le monde. Voilà. Si on a envie de perdre du poids, nous avons une solution pour vous. Si on a envie de prendre poids, nous avons une solution pour vous. Si on a envie de se relaxer, ça aussi, nous avons une solution pour vous. Donc, nous ne devons pas perdre l'espoir, nous ne devons pas être démotivés. Ça, c'est plus important et comment me dire, discipline. Donc, solution, nous avons tout. Nous avons personal coaching, nous avons group class, nous avons fitness dans le gym, nous avons bodybuilding, nous avons tout pour tout le monde. Voilà. Ah ben voilà, je pense que c'est si joliment dit, Alcha, je vais vous remercier. Pour si vous connaissez, ou vous êtes retourné en classe de sport, et ben bonne chance pour ce qui est a pour faire après et surtout se surpasser. Voilà. Merci en tout cas, nous avons un petit moment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci à mon équipe la plus proche. Et bien avant qu'il m'occupe d'autres, nous pouvons arrêter de dire
les temps, les jours sont difficiles, alors continue faire très attention, continue maintenir ban geste barrière, garde de distance. Donc là, il y a assez de distance entre Acha avec moi. Nous faire attention, nous pouvons nous masquer juste après, sanitiser là, mais garde distance, pas dans la foule s'il n'est pas nécessaire. Donc si vous allez aussi, faire ici vraiment votre pébisin, mais maintenir ban geste barrière. Faire attention, pas ici pour nous, mais aussi pour nos proches, pour nous l'entourage, parce que c'est en faisant attention qui nous peut éviter la propagation du virus. Merci à tous, bonne journée ou bonne soirée et surtout bon sport. À très bientôt. Bye bye. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.